Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Regards croisés. Nous évoquions le Gabon, les élections générales au Gabon avant la pause. Et Adjao, Gabon, tu avais un mot à placer avant qu'on aborde la situation au Niger. Oui, on parlait tout à l'heure du silence assourdissant des organisations sous-régionales et même africaines. Ouais. Moi, je suis un peu abasourdi par leur silence parce que à ce moment, à chaque moment, ils réagissent sur des situations qui prévalent dans des pays comme le Niger, le Burkina et même le Mali. Mais ils se posent une situation terrible au Gabon, précurseur d'une violence qui inouïe. Mais bon, pratiquement, ils ne disent absolument rien. Et j'ai été vraiment choqué hein, qu'il n'y a même pas eu d'observateurs de l'Union africaine à ces élections au Gabon. Et puis bon, ils ne disent rien. Ils attendent que bon, un capitaine ou bien un colonel fasse un coup d'État. Et puis bon, là, ils vont dire que la démocratie est piétinée de l'autre côté. C'est l'inconséquence hein, de ces organisations sous-régionales. Là, c'est marqué qui ne dit absolument rien. L'Union africaine qui ne dit rien. D'autres organisations qui ne disent absolument rien. Mais il suffit de faire quelque chose. Quand un militaire passe un coup, que bon, on va dire, il a piétiné la démocratie, de rétablir l'ordre constitutionnel. Il va falloir que nos organisations sous-régionales, les chefs d'État africains, sachent regarder et sachent surtout comment bien faire les choses pour que demain on puisse avoir un continent qui évolue réellement. Parce que là, cette situation au Gabon, ça n'augure rien de bon pour l'avenir de ce pays-là. Ali Bongo, je ne sais pas ce qu'il est en train de protéger, parce que là, la constitution lui permet encore d'aller indéfiniment hein, aux élections présidentielles. Ça veut dire qu'il est en train de préparer la voie pour son fils Nourdine, qui est dans les arsenaux du dirigeant du pays. Donc du coup, Ali Bongo, il sait que bon, peut-être entre griffes, il n'a pas assez de temps à vivre encore. Donc quand il ne sera plus là, c'est son fils qui va prendre le relève. Donc c'est toujours cette pérennisation de pouvoir de père en fils là, d'une même famille qui continue. C'est ce qu'il veut faire. Donc il va falloir faire très attention. Je suis sûr que les Gabonais, ils savent à quoi s'attendre. Et devant le peuple, et devant souvent un peuple qui est aguerri, qui veut aller au front, qui veut réellement sa liberté, je suis sûr que bon, Ali Bongo peut avoir une armada d'armées, mais ne pourra absolument rien faire. Et vous, donc, vous estimez que la population gabonaise devrait soutenir Ondossa et sortir peut-être dans les rues au cas où? Oui, le fait n'est pas de soutenir Ondossa, mais le fait est qu'il faut défendre hein, son vote. Oui. Il faut défendre son vote, la personne que tu as choisie. Il faut véritablement la défendre. Et surtout, ça en va pour la démocratie gabonaise. Ça va de l'avenir hein, même de ce pays-là. Donc, pour moi, le problème aussi hein, dans nos pays est que nos peuples sont souvent rapidement fatigués hein, dans la lutte. Il faut aller jusqu'au bout. Tant que tu n'as pas obtenu gain de cause, il faut aller jusqu'au bout. C'est parce que également la répression, ça, ce n'est pas oui, bon, pas la une partie de plaisir. La Chine et autres ne sont pas arrivés à ce stade-là juste comme ça. Ils ont lutté. Malgré la répression, ils ont lutté. La répression contre les Anglais et autres et tout. Oui. Mais ils ont lutté, ils ont tenu bon. Donc forcément, la lutte, on ne va pas venir te donner ta victoire à la maison. Il faut lutter, défendre ta victoire, aller jusqu'au bout. En tout cas, pour l'instant, rien n'est encore officiel en ce qui concerne la victoire de Ali Bongo Ondimba. Ondossa est encore dans la course, comme Ali Bongo. Oui, parce que bon, rien n'est encore officiel. Et vous, Louis Kamako, vous conseillerez également à cette population gabonaise de se lancer et de suivre Ondossa dans cette contestation. Je dirais active. Non mais hein, moi je ne serais appelé à la révolution ou bien à la violence. Mais ce qu'il y a, c'est que quelqu'un l'a dit, il s'agit de défendre son vote. Il s'agit de défendre en fait son droit de vote. C'est-à-dire quand vous élisez quelqu'un et que l'institution chargée d'organiser, de proclamer les résultats ne proclame pas les chiffres sortis des urnes, ça pose problème. C'est pour cela que vous devez être aux aguets, vous devez être sur le qui-vive pour justement défendre votre vote à arriver à un moment donné. Mais ailleurs, ça se passe comme une lettre, c'est-à-dire que c'est facile pour les gens de le faire parce qu'en réalité, on est des armées républicaines, des armées civilisées. Ici, par exemple, vous voyez des populations qui manifestent à main nue et qu'à un moment donné, vous voyez les forces de l'ordre de sécurité qui tirent à barrière sur eux.
Et donc, arrivé à un moment donné, il n'y a que les durs qui peuvent justement avancer. Donc, c'est ce qui fait émousser à un moment donné la masse. Et c'est ce qui décourage à un moment donné les populations. Donc, c'est pour ça, je dis, généralement, on le dit que la population se décourage, mais personne ne veut perdre sa vie quand même, comme ça, bêtement. Et donc, si nous voulons justement avoir des États démocratiques en Afrique, comme ce qui se passe au Gabon, j'ai dit tout à l'heure que le PDG, c'est 55 ans en fait au pouvoir. C'est trop. C'est trop. Quel type de démocratie nous voulons construire? Et ça, quand je le disais tout à l'heure, que tout est fait prêt pour que Ali Bongo se représente, quelqu'un a parlé justement de l'émission d'un État étranger. Tout récemment, il y a un sommet sur le forêt, sur la forêt, un sommet sur la forêt qui s'est déroulé au Gabon et on a vu que l'invité surprise ou bien on a remarqué la présence remarquable justement du président français Emmanuel Macron. Et sur ce même plateau, je disais à l'époque que la forêt, justement, c'est l'arbre que cache la forêt. La commercialisation du Voilà, bois au donc Gabon. c'est peut-être une façon pour le président Macron de venir dire à Ali Bongo que je te soutiens, tu peux encore remplir autant de temps que vous voulez. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et j'ai dit tout à l'heure, en mettant justement le focus sur la capacité intellectuelle du président sortant, qui, depuis qu'il a fait une crise, qu'il a fait un incident Un incident vasculaire cérébral. AVC, il n'est plus en mesure de diriger le fauteuil présidentiel. Toutes les décisions sont prises ailleurs. Donc, il dirige le pays par procuration. Et quand c'est comme ça fait retarder le pays. Imaginez-vous qu'en 2016, Ali Bongo au pouvoir avait fait une promesse, dans son programme de société, on a noté toute une pile de promesses. Mais quand vous prenez aujourd'hui, puisque l'heure est également au bilan, il C'est n'a faux. réalisé que 13. Il n'a tenu que 13 de ses promesses. Et ça veut dire qu'il a aujourd'hui montré sa capacité limitée de gouverner. Et donc, quand on veut justement, un bon patriote, on veut que le pays évolue, il faut qu'à un moment donné, on passe la main à une autre personne. Et quand on ne le fait pas, on n'est pas patriote, mais on roule justement pour l'intérêt supérieur d'une autre puissance. Tu parlais tout à l'heure des richesses du Gabon. En plus du bois, il y a le pétrole et puis le manganèse. Voilà. C'est quand même triste que les Gabonais puissent. Parce qu'on a suivi des interviews où des Gabonais puissent aujourd'hui encore crier et dénoncer qu'il y a beaucoup de Gabonais, ou sinon la grande majorité, selon des interviews, qui vivent encore sous le seuil de la pauvreté. Bien évidemment, nous vivons les mêmes problèmes en Afrique ici. On a des ressources, mais bon, on n'en profite pas. Il y a un chanteur qui a dit que l'Africain est assis sur le diamant pleurant. Donc, c'est ce que nous vivons en Afrique aujourd'hui. Le Gabon n'est pas épargné. Hein. C'est un petit pays, mais qui a énormément de ressources dont les habitants peuvent en profiter. Mais bon, bizarrement, il y a un clan qui est assis là-dessus. Il y a une aristocratie qui s'est construite. Et puis bon, ça ne profite pas réellement au Gabonais pour bénéficier un peu de gains. Il faut s'approcher du pouvoir, il faut être dans les serrailles du pouvoir pour être dans les bonnes grâces de ceux-là qui dirigent. Sinon, tu vas réellement subir les conséquences. Et les Gabonais aujourd'hui, ils crient à tue-tête sur cette gestion qui est faite de leur pays. C'est pourquoi je dis que c'est à eux réellement de réclamer leur victoire et surtout de penser plus à l'avenir de leur pays. Penser à l'avenir de leur pays, c'est aussi penser à l'avenir de leurs enfants et surtout à leurs meilleures conditions de vie. Alors, même, bon, enfin, quand on parle également, il faut pas occulter que Ali Bongo, lors de son discours la fois dernière, lors de l'indépendance du Gabon, il a fait une batterie, une pile d'annonces, de promesses, et il y a eu la réduction des frais de scolarité. C'est quand même pas chose à négliger. La réduction des frais de scolarité, ici, nous, on fait carrément la gratuité. Donc, après ces 55 ans de gestion, si vous êtes encore à la réduction des frais de scolarité, c'est que pratiquement, vous n'avez absolument rien fait. Le niveau qu'a le Gabon avec les ressources qu'ils ont et tout, je ne suis pas sûr hein, que ça représente quelque chose hein, dans le panier de la ménagère du Gabonais. Il faut carrément revoir ça. Ali Bongo, aujourd'hui, sincèrement, moi, je le dis, le PDG n'a plus le droit de diriger ce pays-là parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves, ils n'ont absolument plus rien à proposer au peuple gabonais.
une mesure, des mesures sociales. En tout cas, on attend. Non, mais quand vous ne prenez pas le droit, quand vous dites la gratuité des frais de scolarité, ce n'est pas en réalité, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un projet gouvernemental. Non, c'est le pas, droit, je ne parle pas de faveur. Le droit à l'éducation, c'est-à-dire que c'est l'État a le droit de garantir l'éducation à tout citoyen. Ouais, mais le bilan, c'est-à-dire que ça, c'est la Constitution qui l'exige. Ce n'est pas en réalité un projet de programme d'un parti, à mettre à l'actif d'un parti politique ou que ce soit. N'importe qui vient au mais pouvoir et qui veut respecter justement les constitutionnels doit justement permettre à tous les citoyens de s'instruire. C'est de ça qu'il s'agit. Quand un citoyen n'a pas les moyens de s'inscrire ou bien d'aller à l'école, l'État doit justement mettre les moyens à sa disposition. C'est de ça qu'il était question. Donc ce n'est qu'un respect d'un test constitutionnel. Vous prenez Ali Bongo, même quand vous parlez de cela, le Gabon l'a dit tout à l'heure, un petit pays mais qui est immensément riche. Mais vous voyez, le Gabonais, c'est à moins de 1 euro gagné par jour. Ça veut dire que la pauvreté arrivait à un seuil que les gens en ont marre, quoi. Et donc, quand vous avez des régimes comme ça, qui sont là, qui font la pluie et le beau temps, arrivent à un moment donné, ils se prennent comme de demi-dieux. Et donc, parce qu'ils n'ont plus de compte à rendre à personne, ils se croient tout permis. Donc, les Gabonais sont dans cette logique-là aujourd'hui. Même quand vous prenez l'opposant Andossa, qui aussi à un moment donné fait partie du régime parce qu'il a été ministre du père de Bongo. Et donc, à un moment donné, lui, il a compris que ce système-là n'avantage pas les Gabonais, et il s'est désolidarisé justement du PDG. Donc aujourd'hui, il connaît à peu près comment ça se gère, il connaît à peu près les rouages en fait du pouvoir, et s'il se présente, s'il gagne les élections, il va peut-être faire bouger les lignes. Je pense que c'est pour cela. Peut-être. Ouais, peut-être. C'est pour cela d'abord que, quand vous voyez, c'est pour cela d'abord qu'il a eu justement à observer des bains de foule, une liesse populaire tout au long de cette campagne-là. Et on l'a dit, il peut remporter les élections, parce qu'en Afrique, c'est aussi ça. Une chose est de gagner les élections, une autre chose est d'être proclamé vainqueur. Je précise qu'il y avait 14 candidats en tout, parce que ce n'est pas toute l'opposition qui était derrière Andossa. Oui. Il avait la majorité quand même et des partis. Oui, mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut souligner, c'est-à-dire qu'il y a certains tenants de l'opposition qui ont désisté, qui ont renoncé à leur candidature en faveur de Albert Andossa. Oui, ce sont les principaux partis. Voilà, ça veut dire que il a le soutien de certains poids lourds. Ouais, des principaux d'opposition. Et donc ça peut jouer à sa faveur. Tout cela ont battu campagne pour eux. Ils ont un programme commun. Et je pense que ça va être un plus pour Albert Andossa. Alors, on va aborder le deuxième sujet. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir, avec à sa tête le général Abdourahmane Tiani, a demandé vendredi soir le départ de l'ambassadeur de France en poste à Niamey. La fin de l'ultimatum pour Sylvain Ité a sonné au Niger. Gabin Adjao. L'ambassadeur n'est pas encore parti. On se demande alors pourquoi. Est-ce que c'est un bras de fer qui s'annonce entre la France et puis le Niger? Oui, il y a une sorte de bras de fer qui est là depuis un certain moment entre dans la France, oui, entre la France et puis les nouvelles autorités au pouvoir au Niger. Ils ont déjà donné un ultimatum à ce diplomate-là de partir. Mais bon, il a refusé avec un discours d'Emmanuel Macron qui disait que bon, les autorités légitimes qu'il reconnaisse, c'est Bazoum et ses acolytes. Et puis bon, les nouvelles autorités n'ont pas le droit de renvoyer ces diplomates. Et bon, raison pour laquelle le diplomate Sylvain était aussi dit que bon, il ne va pas partir. Mais bon, tu sais, c'est toujours cette condescendance-là de la France qu'on observe à tout moment, à manquer du respect aux pays africains. Parce que bon, cette sorte de paternalisme-là auquel nos chefs d'État nous ont habitués, ça monte un peu à la tête à Emmanuel Macron. On l'a tous vu lors de sa tournée en Afrique ici, où il a traité les chefs d'État africains du n'importe quoi, comme si c'était comme s'ils étaient leur fils. Donc, sincèrement, à un moment donné, il va falloir qu'il arrête
de se comporter de la sorte. On sait que la France est en train de souffrir parce que, bon, ils sont en partance de l'Afrique, ils sont en train de partir, on est en train de les bouter dehors, donc ça le fait mal, mais il va falloir qu'il accepte. Il va falloir qu'il accepte pour la grandeur de sa personne et pour la grandeur de son pays, parce que sincèrement, Sylvain Été, moi je l'ai suivi un peu sur ses réseaux sociaux, sur son compte Twitter et tout, à chaque moment qu'il tweet quelque chose, c'est profondément un manque de respect hein, vis-à-vis des autorités maliennes, burkinabè et même nigériennes. À chaque moment, il est assez condescendant, il manque de respect à tout le monde. Je ne pense pas que les Nigériens vont accepter hein, ce genre de choses. Ce qui est bien avec les nouvelles autorités nigériennes, c'est que ils ne tombent pas dans le piège hein, des Français. Parce que les Français pensent qu'ils vont essayer de faire un coup de force pour dire que, bon, ils ont atteint. Parce que, vous C'est-à-dire savez, d'attaquer l'ambassade, et puis de l'ambassade. c'est pratiquement le territoire français. Oui, Dans tous les techniquement. pays, c'est comme ça. Donc, le fait de violer hein, le territoire français, ils vont se dire, bon, on est en droit maintenant d'intervenir militairement. C'est ce que les nouvelles autorités hein, ne font pas. Et je pense qu'il faut toujours continuer par maintenir la pression populaire. Continuer pas à faire les manifestations devant l'ambassade et à un certain moment, je pense Il qu'il y a va eu des partir. manifestations justement à Niamey dimanche, c'est-à-dire Oui, hier, il en y a eu des soutien donc manifestations. Je pense il faut la il faut, à la junte au il pouvoir. faut les accentuer, il faut les accentuer surtout devant hein, cette ambassade-là pour que Sylvain Été puisse faire ses bagages et puis partir. Parce que moi, sincèrement, aujourd'hui, ceux-là qui représentent le Niger, c'est le CNSP, ce sont ceux-là qui dirigent le Niger. Si tu as une correspondance à adresser à qui que ce soit, c'est avec eux. Donc, ce sont des autorités de fait qui sont là. Il faut quand même essayer de respecter. Et en plus, ils ont l'adhésion populaire. Voilà aussi ça. C'est aussi la symbiose avec la population qui fait en sorte qu'aujourd'hui, normalement, si la France était une grande nation, hein, telle qu'on le dit à chaque moment, devait respecter cela. À chaque moment, ils appellent cela, bon, la junte militaire, la junte militaire. Mais il y a eu des militaires qui ont fait beaucoup de choses dans beaucoup de pays. Même l'heure de Gaulle, Charles de Gaulle qui clame tout le temps comme le père de la nation française et tout. Ben, c'était un putschiste. Il avait fait un coup d'État. Donc, ceux-là, moi je le dis toujours, ce ne sont pas des gens qui vont venir nous enseigner quoi que ce soit. Si nous, Africains, même nous nous respectons normalement, ceux-là ne doivent pas venir nous enseigner. Maintenant, les Nigériens ont pris leur destin en main. Je pense que Sylvain Été, il va partir de gré ou de force. Juste à cause de la pression populaire que les Nigérians vont mettre sur lui. Parce que sincèrement, je ne suis pas sûr que les Nigérians sont prêts pour quelques négociations que ce soit, ou bien pour un manque de respect que ce soit. Parce que ça en est de trop avec la France et Emmanuel Macron. Alors, visiblement, l'ambassadeur de France, Sylvain Été, au Niger, n'est pas prêt de partir. Et le président français, Emmanuel Macron, qui s'est prononcé ce lundi même, a salué le travail qui se fait à Niamey. C'est-à-dire, il a félicité l'ambassadeur et puis ses collègues, les diplomates qui sont à Niamey en train de travailler dans ce qu'il appelle des conditions difficiles. Et à aucun moment, il n'a évoqué le fait que l'ambassadeur devra rejoindre Paris. Oui, mais c'est ce qui est dit. Mais quand vous analysez, vous allez justement vous rendre compte que la France est en train d'être dans le rôle d'un mauvais perdant. Et si elle ne se ressaisit pas, son humiliation sur le sol africain en général et sur le sol nigérian sera totale. Parce que, comprenez-vous, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prouve combien de fois le sentiment anti-français s'intensifie et s'agrandit. Et que c'est pour un État comme la France, c'est pas du tout facile pour elle de se laisser manger la laine sur le dos. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va faire la volonté des nouvelles autorités nigériennes. C'est eux qui ont, c'est le CNSP qui aujourd'hui qui est à la charge. C'est un gouvernement de fait. Donc, si quelqu'un veut traiter avec les autorités nigériennes, je crois que c'est avec le CNPC. Donc, si le CNP, à un moment donné, demande en fait à un ambassadeur de quitter son sol, je ne vois pas pourquoi on doit faire tout un plat. Quand vous voyez aujourd'hui, ce qui se fait tout simplement, c'est de la pure provocation de la France. Et ça devait normalement alerter les nouvelles autorités nigérianes que la France, justement, est à l'affût de la moindre, en fait, du moindre prétexte, justement, pour lancer les hostilités. Parce que jusque-là, souvenez-vous qu'au lendemain de ce coup d'État,
La France était le seul pays étranger qui est monté au créneau, qui a dit ouvertement qu'il va soutenir l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Et vous comprenez, vous, que qui parle du Niger, qui parle de la CEDEAO, parle du Nigeria, et qui parle du Nigeria, parle du Niger, parce que les deux pays sont des pays frontaliers. Il y a une grande partie du peuple nigérien qui est au Niger. Et donc, c'est comme si les Togolais. C'est comme si le Togo qui attaque le Bénin. Et quand vous venez juste à côté de la frontière ici, sans lui qu'on dit à Goué, dans la zone d'Agoué, il n'y a que des Togolais qui sont là-bas et vice-versa. Donc, c'est deux peuples identiques. Donc, pour la CEDEAO qui veut justement intervenir au Niger, on a déjà dit que ça, c'est une décision impopulaire et infondée et que ça n'aura jamais lieu, que c'est juste en fait pour faire fléchir les nouvelles autorités. Donc, quand la France voit tout ça, que toutes ces menaces proférées n'ont pas eu d'effet, elle est justement en train de poser un guet-apens aux nouvelles autorités nigériennes. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure que la France ne veut justement pas faire revenir son ambassade, son ambassadeur, juste parce que elle souhaite que l'ambassade soit saccagée et qu'elle trouve un prétexte justement pour intervenir militairement. Et je pense que Tiani et ses éléments aussi l'ont compris de la sorte. Et eux, ils vont continuer les manifestations de façon pacifique. Ils vont jamais attaquer qui que ce soit. Ils vont jamais engratigner aucun Français pour que Diplomate. la France trouve des alibis pour intervenir. Donc c'est pour ça que je dis, tout cela, ce n'est qu'une violation en fait des droits. C'est-à-dire qu'on est chez nous, quelqu'un vient, il se vit en territoire conquis, et c'est lui qui nous impose cette dictat. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Vous pensez que la France peut demander à un ambassadeur en fonction à Paris de quitter son sol et il va continuer par lui tenir tête? Je ne pense pas. Donc aujourd'hui, on doit respecter les Africains, on doit savoir que nous sommes tous égaux devant la loi. Et ce n'est pas parce que, entre guillemets, on est blanc et qu'on doit quand même tout se permettre sur le sol africain. Donc aujourd'hui, tout cela se passe au nez, à la barbe de la communauté internationale qui ne dit rien. Parce qu'après tout, c'est une violation des droits des Nigériens, je l'ai dit tout à l'heure. Et quand on est ce qui est reproché aujourd'hui à l'ambassadeur aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait normal. Vous avez un ambassadeur dans votre pays que vous avez convié à un moment donné à une réunion qui a renoncé justement à cette réunion. Ça, c'est un manque de respect criard. Ça, c'est la cause immédiate. Maintenant, la cause lointaine, c'est-à-dire qu'au moment du président déçu, au moment du président Mohamed Bazoum, il s'est révélé que l'ambassadeur en question aurait tenu des propos racistes, des propos insultants envers les militaires. Donc, aujourd'hui, ils sont dans une démarche de ne dirais pas de vengeance, mais ils sont dans une démarche de la quête de la souveraineté nigérienne. C'est de ça qu'il est question. Parce que les propos en question ont été tenus quand, justement, le Niger servait de dépotoir pour tout ce qui était, pour tout ce qui a comme base militaire qui est rejeté en Afrique. Et donc, les militaires sont montés en créant à un moment donné. Ils ont demandé justement au président Mohamed Bazoum d'arrêter ce folklore-là et qu'à la longue, ça va causer de préjudice au pays. Et donc, l'ambassadeur, puisqu'il est acquis à la cause du président Bazoum, s'est permis de dire de n'importe quoi aux Au militaires. militaire. Donc, aujourd'hui, il est rattrapé par le passé. Les faits sont là, les faits sont têtus. Et maintenant qu'aujourd'hui, c'est vrai que, à la limite, ou bien au prime abord, il n'a pas été inquiété. Maintenant, il s'est fait aggraver son cas en justement déclinant l'invitation. Souvenez-vous que à la prise du pouvoir, que ce soit au Mali, au Burkina ou en Guinée, à chaque fois qu'il y a coup d'État, il y a une réunion extraordinaire qui est convoquée. Les ambassadeurs plénipotentiaires sont souvent convoqués. Et ce qui est la note qui suit, la note qui dit, qui est mise en nota bene, c'est que tous ceux qui ne viendront pas sont considérés comme des démissionnaires ou bien sont des gens qui sont contre nous. Et nous allons réagir En en conséquence. conséquence. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. S'il n'est pas allé à l'invitation, s'il a décliné l'invitation, ça veut dire qu'il est contre le plan de gouvernance des nouvelles autorités nigériennes. Et pour des gens qui veulent avoir une souveraineté nationale, c'est tout à fait normal qu'il essaie justement de sacler toutes les mauvaises herbes qui vont vouloir leur mettre des bâtons dans leurs roues. Donc, je pense que, comme je l'ai dit,
La France n'a pas de choix aujourd'hui que de tempérer. Alors que les intérêts de la France sont toujours au Niger et puis au Sahel. Sylvain Ité, il a déjà dit qu'il n'y a aucune raison objective pour la France de quitter pour l'ambassadeur, pour lui qui est l'ambassadeur et ses diplomates, de quitter le Niger. Visiblement, on s'attend à une période assez intense en termes de tensions entre Paris et puis Niger s'intensifier davantage. Non, vous savez, Helmut, quand vous tuez un coq et puis vous le jetez, il se débat. Voilà, la France aujourd'hui est en train de se débattre. Il faut les laisser se débattre et puis bon, après, elle va mourir. Vous savez, Sylvain Ité va partir. Qu'il le veuille ou pas, il va partir. Il essaie juste de provoquer hein, les nouvelles autorités pour qu'ils tombent un peu dans le piège et puis bon, qu'ils aient un prétexte pour intervenir. Mais il ne va pas arriver à ses fins parce que ces autorités-là, ils connaissent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent sur quel terrain ils sont en train de danser. Donc, pour moi, la population a déjà pris ses responsabilités. Si la population était restée à la maison, c'est là où on allait s'inquiéter. Mais la population à qui appartient le Niger dit, on ne veut plus de vous. Moi, je ne veux même pas qu'on parle seulement de l'ambassadeur, mais aussi de l'armée française. Le Niger, aujourd'hui, doit tout faire pour faire quitter cette base militaire française-là sur leur territoire. Parce que c'est un danger. Le jour où il y a quelques individus qui sont au sein de la CEDEAO vont décider d'intervenir, c'est cette force-là qui viendra en appui. Et ce sera fatal. Donc, il faut tout faire pour les bouter hors. Et l'ambassadeur, et aussi Les diplômes la base militaire militaires français. française. Alors Il faut les faire justement, partir. ces milliers de personnes qui sont favorables au coup d'État au Niger, qui ont manifesté dimanche encore, on va aborder ce sujet dans la prochaine partie de Regards croisés, c'est juste après.